Seigneur, je veux te remercier parce que tu es fidèle et bon à toutes choses. Ta grâce est si grande, puis on peut tellement te faire confiance. Seigneur, peu importe les choses qui arrivent, peu importe les vagues, les tempêtes qui nous entourent, on peut regarder à toi, puis trouver notre espérance en toi. Merci Seigneur, je te prie vraiment de glorifier ton nom ce matin au travers de la parole. Que tu sois élevé, que tu sois magnifié. Merci Seigneur. Amen. Je suis vraiment content de tous vous voir ce matin. C'est vraiment un plaisir. Puis merci Louise et Robert. L'Esprit vous a vraiment guidé dans le choix des chants. C'était vraiment un bon choix. Amen. Oui, ça il fait tout le temps. Tout au long de la préparation de cette prêche-là, j'avais à cœur qu'on puisse vraiment en ressortir grandi, encourager, exhorter. C'était vraiment ma prière qu'on puisse davantage avoir les yeux vers Christ, puis trouver notre espoir en lui. Donc, j'avais vraiment hâte de pouvoir vous partager cette prêche-là. Ça fait quelques semaines que je travaille dessus. Puis, je vous invite à tout de suite tourner dans Hébreux 11, 35. Donc, on va lire une partie de ce qu'on a lu ce matin, puis on va aller jusqu'à Hébreux 12, verset 3. Donc, Hébreux 11, 35. Puis, l'étude va vraiment se porter sur 12, 1 à 3. Mais on va commencer avec le contexte. Donc, Hébreux 11, à partir du verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. On ne connaît pas le nom de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais ce qu'on peut comprendre au travers du texte, c'est qu'il s'adresse à des croyants qui sont d'origine juive, qui habitaient en Italie. Puis, au travers des persécutions que ces croyants-là vivait, il était de plus en plus tenté à retourner aux pratiques juives, à l'application de la loi, pour éviter les douleurs puis comment qu'il était mis à part par le reste de la population. Donc, l'auteur, son but, dans cette lettre-là, c'est d'encourager ses lecteurs à persévérer puis à tenir ferme dans leur foi. C'est vraiment le but central de l'Épître, c'est l'encouragement. Donc, il commence sa lettre en démontrant la suprématie de Jésus au-dessus des anges. Ensuite,
Il dit que Jésus annonce un évangile encore meilleur que la loi, que les lois juives étaient seulement l'ombre du salut à venir. Puis il établit Jésus au-dessus de tout, au-dessus de Moïse, qui était leur prophète par excellence, au-dessus de la loi, au-dessus des ordonnances, au-dessus de tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Il dit, voilà, c'était seulement l'ombre de ce qui était à venir. Parce que Jésus, une fois pour toutes, par son sacrifice, il a rendu parfait tous ceux qui mettaient leur foi en lui. Ce que la loi, elle, ne permettait pas. Ensuite, l'auteur continue dans la deuxième partie en exhortant ses lecteurs à la fermeté et à la persévérance dans la foi. Il leur parle des témoins de la foi de l'Ancien Testament, puis il rappelle les prodiges qui ont été faits par eux, comme qu'on a lu tantôt. Puis, il enseigne et il exhorte à tenir ferme, à persévérer. Puis la raison pour laquelle il dit qu'on doit persévérer, c'est Jésus. Simplement Jésus. Les trois versets sur lesquels on va se pencher ce matin sont remplis d'un trésor que je sais que je ne vais pas être capable d'aller chercher, même une infime partie qu'on a dedans. Mais ma prière, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment qu'au moins on puisse ressortir d'ici encouragé. Encouragé à persévérer, encouragé à garder nos yeux sur Christ, puis à marcher à chaque jour avec lui. Puis si au courant du message, tu réalises que tu n'as pas cette foi-là dont on va parler ce matin, Dieu, il dit, demande, il donne la foi. Donc, je t'invite à tourner tes regards vers lui, puis à l'implorer, à lui demander de te donner cette foi-là, qu'il puisse pourvoir à ce qui te manque en foi pour avoir confiance dans sa parole, puis que sa parole, c'est la vérité, puis que ce qu'il dit va vraiment s'accomplir. Donc, on va regarder quatre points au travers des trois versets. Le premier point, c'est les témoins. Qui sont les témoins? Le deuxième point, c'est la course et les épreuves. Le troisième point, c'est l'exemple à suivre qu'on trouve en Christ. Le quatrième, c'est la persévérance dans la joie. Mais avant de commencer ces points-là, j'aimerais faire un exercice avec vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire nécessairement, mais c'est un exercice de visualisation. Parce que l'auteur, il nous présente un stade, il parle d'une nuée de témoins, il parle d'une course qu'on a à faire. Puis, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse être tous ensemble à cette même place-là que l'auteur nous parle, que les témoins, que les lecteurs au premier siècle, eux, ils voyaient ça parce que c'était dans leur quotidien. Ils savaient c'était quoi. Mais je vous invite, je vais faire une description quand même détaillée pour qu'on ait tous une même image en tête. Je crois que c'est important pour qu'on puisse comprendre la signification de chaque chose que l'auteur nous présente. Donc, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais je vais tenter de nous amener dans un stade avec moins de 1000 mots, parce que ça serait quand même long si je faisais ça. Donc, je vous invite à vous imaginer au premier siècle après Jésus. La majorité des gens autour de vous portent des longues robes avec une ceinture à la taille pour la tenir en place. Tout le monde marche en sandales ou nu-pieds. Les rues autour de nous sont soit en terre battue, soit en pavé de roche. Puis, en avant de nous, il y a un stade. Il y a un grand stade. On s'approche vers là parce qu'on sait qu'on doit aller courir dans ce stade-là. Puis en s'approchant, on entend, il y a un genre de vrombissement. Il y a une excitation. Déjà à l'extérieur du stade, on entend qu'il y a du bruit qui vient de là. Puis il y a quelque chose de gros qui se passe là-dedans. Il y a deux grandes portes. Quand on rentre dans une des grandes portes, on voit une arche de pierre avec des grandes colonnes grises qui s'élèvent, puis une piste. Une piste qui est en terre, rouge-orange foncé, qui s'avance en avant de nous. Puis une fois dans le stade, on entend le bruit. Là, c'est rendu vraiment fort. Mais la première chose qui capte notre attention, c'est la piste, parce que c'est là qu'on sait qu'on s'en va pour courir. Puis la piste fait peut-être 600 pieds de long ou 180 mètres. Puis on voit que la terre est tapée. Elle est tapée par toutes les traces des personnes qui ont déjà couru dessus. Ensuite, sur les côtés de la piste, il y a des petits murets de 3 pieds de haut, puis les estrades commencent à monter. Puis quand on regarde
dans les estrades, on voit que le stade est plein. Le stade est juste plein de personnes, puis la foule continue de grandir. C'est comme si on était dans un nuage de personnes, il y a tellement de monde. Puis on entend des cris d'encouragement, on entend des cris de joie. Des fois, la foule a fait la vague. On entend des trompettes qui soufflent. On entend les gens qui applaudissent. Puis si on regarde vraiment attentivement, on peut voir des gens au travers de la foule auxquels on a déjà entendu parler. Quand on regarde dans un coin, là, il y a Abel, il y a Enoch. Ensuite, on continue de regarder, on voit Noé. On voit Abraham qui est par là puis qui est tout heureux parce qu'il est entouré de sa descendance. On voit David, on voit Samson, on voit des prophètes, on voit les disciples qui sautent de joie par là. Puis pour ceux qui connaissent, on peut bien voir les pionniers de l'Évangile en Abitibi, les Hérons, Leslie Barnhart, Gaston Jolin. En fait, plus on regarde les personnes qui sont dans la foule, on voit que c'est toutes les gens qui nous ont déjà précédés, qui ont déjà couru cette course-là qu'on s'en va faire, qui sont maintenant rendus dans les estrades, puis on voit qu'ils nous encouragent. Ils t'encouragent à commencer la course, à continuer de courir. Mais en fait, ils sont tous en train de faire quelque chose. En même temps de t'encourager, ils pointent tous dans une même direction. Puis ils pointent tous par en avant, au bout de la piste. Je t'invite vraiment à imaginer, tu vois la piste, là, tu tournes des regards, puis tu dis, c'est quoi qui pointe? Pourquoi est-ce qu'il pointe par là? Puis là, quand tu regardes, waouh! C'est l'étoile brillante du matin qui est au bout de la piste. C'est la splendeur des cieux qui se tient là. Il y a l'aspect d'un homme, c'est lui qui avait été crucifié. Mais ce n'est pas un homme crucifié qu'on voit au bout de la piste, il n'y a plus de croix en arrière de lui. C'est un homme ressuscité, un homme glorifié, un homme admirable, incomparable, merveilleux. C'est Dieu Tout-Puissant qui est là en avant. Puis quand on le regarde, tout autour de nous perd son éclat. Puis c'est lui qui capte notre attention. Il est vêtu de blanc, un blanc plus blanc que la neige qui tombe du ciel. Son visage rayonne comme le soleil, mais même au travers de cette brillance-là, dans sa grâce, on peut le voir. Il a un visage ravissant, majestueux. C'est le plus beau, le plus attrayant, le plus éblouissant qu'on a jamais vu. Je n'ai pas d'autres mots pour pouvoir le décrire. Mais celui qui est au bout de la piste, qu'on voit, c'est Jésus. C'est notre Seigneur. Dans toute sa grâce, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez cette image-là en tête? Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler une chose. C'est que la raison pourquoi on est là, pourquoi on est devant la piste, c'est simplement à cause de Jésus. C'est lui qui a ouvert la piste, c'est lui qui a couru sur la première fois, puis c'est lui qui nous permet de la courir. Donc maintenant qu'on a cette image-là en tête, maintenant qu'on voit l'aréna, qu'on voit Christ, qu'on voit la piste, qu'on voit la foule de témoins autour de nous, je vous invite à ce qu'on étudie vraiment le texte pour voir qu'est-ce que tout ça représente. Donc, Hébreux 12.1, je vais le relire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comme on l'a lu au chapitre 11, il y a une foule de témoins qui est présentée. Ces témoins-là, c'est toutes des hommes et des femmes qui ont déjà marché sur la terre,
pour la gloire de Dieu. Ce sont, on pourrait dire, nos grands-parents dans la foi, en partant de la création jusqu'à aujourd'hui. C'est de l'homme le plus grand jusqu'au brillant qui est mort à la croix à côté de Jésus. C'est une nuée de témoins, puis en fait, il y en a tellement que c'est une partie de la foule que Paul voit dans Apocalypse aux cieux. C'est une partie de cette foule innombrable qui est plus nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Parce que Dieu l'avait promis à Abraham. Puis leur rôle, ce n'est pas d'être des spectateurs de notre course. Parce que oui, ils sont là, mais ils ne sont pas là pour être des témoins de nous, mais ils sont là pour être des témoins de Dieu, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Le mot grec qui est utilisé pour parler des témoins, c'est le mot martyr. Puis, je trouve que ça parle encore plus quand on le regarde de ce point de vue-là, parce que ça veut dire que ces hommes et ces femmes-là sont des martyrs pour Dieu. Ils ont donné leur vie pour porter témoignage à Dieu. Ils ont vécu d'une manière à dire, peu importe, si on m'enlevait Dieu, ma vie aurait aucun sens, ma vie aurait aucune valeur. Donc, ils ont préféré mourir pour Dieu. Ils sont là pour nous dire, pour te dire, frère, je suis un homme de la même nature que toi. Puis regarde ce que notre grand Dieu a fait. S'il a été capable de m'amener jusqu'au bout, il peut t'amener jusqu'au bout. J'ai souffert autant que toi, même plus que toi. Mais persévère. Persévère parce qu'il n'y a rien d'autre qui vaut la peine autre que de connaître notre Dieu. Comme on l'a lu, ils sont aussi là pour nous rappeler des miracles que Dieu a fait dans leur vie, puis pour nous rappeler que Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui. Dans notre vie, dans la vie des gens qui nous entourent, ils sont là pour nous rappeler que certains sont aussi morts dans l'espérance, qui eux n'ont pas vu de miracle. Puis l'auteur va jusqu'à dire, eux dont le monde n'était pas digne, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils ont dû persévérer au travers de leur vie parce que Dieu avait un plan qui était meilleur que de tout simplement, tout de suite les enlever des souffrances du péché et des souffrances de ce monde. Puis de la même manière, on doit persévérer à notre tour, sachant que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur. Puis qu'à un même moment, tous ensemble, on va pouvoir voir Christ ressuscité et glorifié. Qu'on va tous le voir au même moment, comme qui est écrit. Vous ne trouvez pas ça beau? Dieu il est en train de préparer le plus beau des cadeaux pour nous. Puis, il n'y a personne qui va le voir en premier. Dieu, il attend qu'on puisse être tous rassemblés là, ensemble. Vraiment, oui. Puis, au même moment, on va voir Jésus, puis on va être unis à lui pour l'éternité. Oui, en ce moment, on est unis à lui par l'Esprit, puis quand on meurt, on s'en va dans la présence de Dieu. Mais comme qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, au son de la trompette, à la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter avec un corps glorifié. Les vivants vont être en un instant changés et glorifiés. Et ensemble, on va être élevés sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur pour être avec lui pour toujours. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'un encouragement, l'image que j'ai, sors dehors le soir quand il n'y a pas de nuages, puis regarde au ciel. Puis essaye de compter les étoiles. Puis souviens-toi que Dieu a été fidèle dans la vie d'un plus grand nombre de personnes que le nombre d'étoiles que tu peux voir dans le ciel. Puis si Dieu a été capable de les amener jusqu'au bout de la course, il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec chacun d'entre nous. Puis que toi, moi, nous ensemble, en même temps
que chacun d'eux, on va pouvoir le voir. Place ta confiance en Dieu. Ses témoins sont tous là pour en rendre témoignage. C'est là leur importance dans la course. Puis une autre chose que j'aime dans l'image, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui est démontré sur la piste comme en train de courir. On n'est pas en compétition avec personne. Il y a seulement toi, il y a seulement moi sur la piste pour courir avec Jésus. Donc sur la piste, il y a seulement toi, puis il y a seulement Jésus. Puis on est là pour s'attendre à sa grâce, sa miséricorde, dans sa majesté. Sachant que c'est juste lui qui peut nous accompagner jusqu'au bout. On peut être certain, puis devant l'épreuve, au milieu de la tempête, peu importe ce qui se passe dans nos vies, on peut se souvenir du nombre de témoins, de la nuée qui nous entoure et qui nous pointe à Christ constamment. Donc, déchargeons-nous, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, aidés par l'espoir que nos frères et sœurs nous rappellent. Puis la suite du verset 1 aborde notre deuxième point qui est la course et les épreuves. Donc, Hébreux 12.1 dans la deuxième partie dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Quand les premiers lecteurs ont lu ce passage-là, ils ont immédiatement une image claire. Parce qu'eux, ils voyaient ça à chaque fois qu'ils allaient voir des épreuves sportives, ils voyaient cette image-là. L'auteur commence en parlant du fardeau qu'il faut se décharger. En fait, le fardeau, c'était des poids que les athlètes s'attachaient après pour pouvoir augmenter leur endurance pendant qu'ils faisaient leur exercice. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir dans une piscine, mais c'est assez difficile de courir dans l'eau. Puis ensuite, quand on sort de la piscine puis on se met à courir, on se sent tout léger puis vraiment rapide. Mais c'est à peu près la même chose que le fardeau y fait. Ensuite, l'autre image qu'il nous donne, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. Puis il utilise l'image d'un vêtement qui enveloppe. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les gens dans le temps étaient habillés de robes longues. Puis je ne sais pas d'expérience, mais courir en robe, ça n'a pas l'air d'être évident. Je pense que nos sœurs peuvent nous le confirmer. Mais c'est l'image qui nous amène que le péché, c'est comme une robe qui colle à notre peau puis qui veut nous enfarger à chaque instant. Donc, le poids et la robe viennent représenter l'effet du péché sur nos vies. Parce que les deux viennent nous ralentir dans la course. On pourrait dire que le poids le plus présent, puis probablement que l'auteur voulait parler dans ce passage-là, c'est le manque de foi. Parce que c'est le manque de foi qui a tendance à nous retenir le plus en arrière. Parce qu'on a peur d'avancer pour Dieu. Puis, les témoins sont là justement pour nous encourager par rapport à notre manque de foi. Pour nous dire, regarde, Dieu l'a fait. Tu peux avoir confiance. Tu peux mettre ta confiance en lui. Parce que Dieu l'a fait et il est encore fidèle pour le faire. Puis, notre course, on ne doit pas le faire par notre propre force. On ne doit pas le faire par nos propres efforts. Mais on doit la faire mettant nos fardeaux entre les mains de Dieu et nous reposant totalement en lui. Puis Ésaïe 40, 28, 31, c'est un passage que j'aime vraiment et qui nous appelle à faire ça. Et qui dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Devant la course,
On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas être inquiété à cause des épreuves. On ne doit pas marcher dans l'ignorance, mais on doit reconnaître notre incapacité à faire la course. Puis reconnaître que c'est seulement Jésus qui peut nous amener jusqu'au bout. C'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. C'est lui qui prend nos fardeaux et qui nous permet d'avancer librement. Puis la robe, pour sa part, qui est vraiment l'image du péché qui colle à notre peau, c'est comme si on essaie de courir, puis on est capable de courir pendant un certain moment, puis là, le tissu vient se mettre en mauvaise place puis nous empêche d'avancer. Puis, on le vit tous. On le vit vraiment tous, comme qui est écrit dans Galates 5, 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis que l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, puis ils sont opposés entre eux afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. On a des choses dans nos vies qui nous font du bien, mais que dans le fond, on sait qu'ils sont contraires à la volonté de Dieu. Puis c'est des choses qui peuvent nous sembler confortables, qui peuvent sembler pouvoir nous tenir au chaud pendant notre marche sur la terre. On pourrait même les comparer à une robe de chambre. Mais quand on est là pour courir, ils sont juste là pour nous retenir. Puis dans sa grâce, Dieu nous donne des témoins. Il nous montre des hommes qui, à un certain moment dans leur vie, ont mis leur robe pour courir. Par exemple, on a Samson qui désirait être aimé. Mais au lieu de s'attacher à une femme qui était attachée à Dieu de tout son cœur, comme Dieu le prescrivait et l'ordonnait, bien, il s'est attaché à une femme d'un autre peuple, d'une autre religion, qui lui a simplement infligé des grandes souffrances. Ensuite, on voit David qui a laissé la place dans son cœur à la convoitise, puis a convoité quelque chose qui ne lui appartenait pas. Bathsheba, la femme d'Uri. Puis ça l'a même amené jusqu'à devenir meurtrier. Puis on voit Salomon, de son côté, qui s'est confié dans sa sagesse pour amasser des biens puis la sécurité qui l'ont amené à se détourner de Dieu comme sa source de sécurité. Donc, même des bonnes choses comme la sagesse, si sont utilisées par la chair, peuvent nous détourner de Dieu puis nous ralentir dans la course. Puis comme l'auteur le dit, le péché qui tente de nous envelopper si facilement, ou comme Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. À chaque instant, il faut qu'on reste à l'affût du péché qui tente de venir nous prendre. À chaque instant. Mais dans sa grâce, au travers de ses témoins, Dieu vient aussi nous encourager. Parce qu'il nous montre qu'il est miséricordieux envers nous. Que quand on remet la robe et qu'on pêche, ben Dieu il est là pour nous en sortir. On voit, si on revient à Samson, qui s'est retourné vers Dieu au milieu de ses souffrances. Puis Dieu a pardonné ses péchés, lui a redonné la force. Puis Samson a donné sa vie comme témoignage de la gloire de Dieu pour tenter de libérer son peuple. David s'est repenti de ses péchés. Puis Dieu lui a accordé, au travers de la femme qui avait convoité, une descendance, puis même la promesse du Messie. Puis Salomon, qui est le fruit du pardon de David, on peut dire, Dieu lui a accordé de bâtir son temple, puis d'être l'ancêtre de Jésus. Dieu est tellement gracieux envers nous, c'est incroyable. Peu importe les choses qu'on va faire, si on se retourne vers lui, si on lui demande pardon, si on se repent, il est tellement gracieux. Mais mes frères, mes sœurs, je veux plaider avec vous. Laissez pas de place au compromis dans vos vies. On voit les dégâts que ça fait. Peu importe, dès qu'on voit le péché qui veut rentrer par la porte, qu'on ferme la porte, qu'on se décharge des fardeaux, qu'on enlève la robe le plus vite possible à chaque instant.
Dieu est plus grand que le péché. Ça, c'est notre ultime espoir, puis on peut juste se confier là-dedans. Christ est venu pour racheter notre vie, comme on lit dans Galates 5, au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jésus s'est donné pour nous racheter du pouvoir du péché et de la mort. Donc si notre délivrance a coûté la vie du Fils de Dieu, qu'on ne laisse pas notre liberté un prétexte pour retourner nous satisfaire au péché. Aucun compromis, aussi petit soit-il, doit être laissé dans nos vies. On doit courir la course, puis vraiment se débarrasser de tout ce qui nous retient en arrière. Qu'on soit saint, parce que notre Dieu est saint. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il n'y a pas de petits péchés aux yeux de Dieu, mais tous les péchés, il tente d'arracher, de voler l'amour qui lui est dû. Dieu les a toutes en horreur. Donc, empressons-nous de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Maintenant, le troisième point qu'on va regarder, c'est l'exemple à suivre. On va voir que l'exemple que Jésus nous donne quand on le regarde au travers de la course. Mais je crois que chacun de nous, à un certain moment, on l'a vécu, où on courait, puis on a tassé nos yeux de Jésus. Puis pour ça, j'ai une autre image rapide à vous partager. Je ne sais pas si vous avez déjà couru dans le bois ou sur une piste accidentée. Mais quand on court sur une piste accidentée, on ne peut pas regarder loin en avant. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut s'enfarger, soit dans des racines ou se frapper le pied contre une roche. Donc, faut regarder proche de nous. Souvent, on vit la même chose dans notre marche, dans notre course de la vie chrétienne. Au début, Dieu vient chercher nos cœurs. Il nous fait découvrir la joie de le connaître. On voit qu'il nous a sortis d'où on était, puis on est juste dans l'admiration de « Wow, Dieu, c'est incroyable de vivre, de te connaître, de pouvoir marcher avec toi comme ça. » Puis là, il y a quelque chose qui arrive, puis on tombe. Puis on se relève, on continue de marcher, mais plus ça va, plus on a tendance des fois à regarder la piste, à regarder pour pas nous enfarger sur les épreuves, pour pas nous enfarger sur les choses qui peuvent se pointer. Donc, on court, mais nos yeux fixent le sentier. Puis on finit par avoir tellement les yeux sur le sentier qu'on pense seulement au fait qu'il faut pas tomber et puis s'enfarger sur les obstacles. Puis on oublie de regarder en avant autour de nous. On peut même parfois jusqu'à oublier la raison pourquoi on court. Puis on finit par juste courir pour pas tomber. Puis on veut tellement pas tomber que nos efforts sont plus concentrés à nous éloigner du péché qu'à nous approcher de Jésus. Puis je veux le redire parce que c'est vraiment important. Souvent, nos efforts sont plus là à nous éloigner du péché qu'à nous approcher de Jésus. Puis nos efforts doivent être mis à nous approcher de Jésus. Au verset 2, ce que l'auteur nous rappelle, c'est de courir les yeux constamment fixés sur Jésus, puis d'être conscient de la présence du péché puis des épreuves. Mais de savoir que tout au long de notre vie, on va avoir des épreuves. Tout au long de notre vie, on va lutter avec la chair. Mais on peut avoir confiance, comme qui est écrit dans Galates 5, 24 à 25. Partie. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
Donc, ce qu'on peut avoir confiance, c'est que l'Esprit va nous porter. L'Esprit, lui, va nous garder, comme qu'a gardé Jésus pendant sa marche sur la terre. C'est lui, Jésus, qui a suscité la foi en nous, puis c'est lui qui va l'amener à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus suscite la foi en nous? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que Jésus, c'est l'auteur de la foi. Sans Jésus, il n'y aurait pas de foi qui mène au salut. Sans son incarnation, sa mort à la croix et sa résurrection, il n'y aurait pas de salut. Donc, c'est lui qui est l'auteur du salut et de la foi qui mène au salut. Puis la deuxième chose, c'est qu'il est un modèle pour nous. Il est un exemple. Lui, dans sa vie, il a mis sa foi parfaitement en Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre. Puis nous, maintenant, on doit à notre tour regarder à son exemple puis mettre notre foi complètement en lui, sachant qu'il va pouvoir nous amener jusqu'au bout. Ensuite, ce que ça veut dire qu'il mène notre foi à la perfection, c'est que par la foi en lui, il sauve parfaitement son peuple. Il n'a besoin de rien d'autre que la foi pour sauver. Lui, il a ouvert le chemin puis il l'a ouvert jusqu'au bout. On pourrait dire, c'est comme il a initié la foi, comme s'il avait planté une graine. C'est lui qui l'a fait grandir en la nourrissant. C'est lui qui l'amène à produire du fruit jusque dans l'éternité. Donc, c'est lui qui est l'auteur. Il nous montre le chemin à suivre. C'est lui qui s'assure de notre cheminement du début à la fin. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'a pas de meilleure aide que lui. Il n'y a personne d'autre en qui on peut mettre notre confiance. C'est lui qui a créé la course. C'est lui qui connaît chacune des épreuves. Comme il est dit dans Hébreux 4:15, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus, c'est la personne la mieux placée pour nous accompagner tout au long de notre course. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les Olympiques, mais Usain Bolt, qui est un coureur médaillé 8 fois d'or, imaginez qui était votre entraîneur pour vous apprendre à courir. Vous seriez probablement meilleur coureur que beaucoup de personnes. Ou Michael Phelps, qui est un nageur olympique qui a gagné 23 médailles d'or. Si vous apprenez à nager, vous en dépasseriez peut-être plusieurs dans la piscine. Mais ils ne sont pas comparables à Jésus. Ils sont totalement incomparables à Jésus parce que lui, premièrement, il a inventé la discipline de la course chrétienne. Deuxièmement, il a couru parfaitement. Troisièmement, il est notre entraîneur. Puis quatrièmement, lui, il peut nous donner la force et la capacité de faire cette course-là. Il n'y a personne d'autre. Usain Bolt ne peut pas nous donner son don qu'il y a pour courir. Michael Phelps ne peut pas nous donner son talent qu'il y a pour nager. Mais Jésus, lui, il nous donne son esprit. Puis il nous le donne sans mesure pour qu'on soit capable d'aller jusqu'au bout. Jésus, il met le sceau de sa garantie sur nous par son esprit. Il veille pour la gloire de son nom à ce qu'on se rende jusqu'à la fin. Donc, on doit vraiment garder les yeux sur lui. C'est lui notre exemple, c'est lui notre guide, c'est lui notre aide, c'est lui qui accomplit la course parfaitement pour nous. Puis la gloire de Dieu est devant nous, frères et sœurs. Gardons les yeux fixés sur lui. Maintenant, le verset 2 continue en disant, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus nous montre la persévérance au travers de la souffrance. Lui, qui était dans la joie éternelle, a dû souffrir. Il habitait dans la joie parfaite de son Père.
Il partageait une félicité éternelle avec son Père. Puis lui, Dieu au-dessus de tout, il a subi la plus grande des humiliations. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il a appris l'obéissance au travers de la souffrance. Puis il a été appelé homme de douleur. Ça caractérisait sa vie, la douleur, la souffrance. Le maître est devenu l'esclave pour nous sauver. Il s'est humilié au plus haut point jusqu'à la mort sur la croix. C'est quoi que la souffrance et la persévérance du Christ nous apprennent? Ils nous apprennent que le chemin qu'on va devoir suivre va aussi être rempli de souffrance. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ils nous apprennent qu'on doit vraiment mettre notre chair à mort si on veut le suivre. Être chrétien, ça coûte réellement notre vie. Comme notre frère Gérard l'a enseigné il y a quelques mercredis, on doit mourir à nous-mêmes. On ne peut pas nous sauver des injustices puis des douleurs. On ne peut pas arriver à un point dans notre vie où dire « c'en est assez, j'ai assez souffert » ou dire « c'en est assez, j'ai assez vécu d'injustice » ou dire « c'en est assez, je ne me laisserai plus traiter comme ça, on ne va plus me manquer de respect ». Non, parce que si c'est pour Christ que tu souffres, si c'est dans le service de son nom que tu subis des injustices, si c'est à cause que tu glorifies que tu es traité comme un esclave ou qu'on te manque de respect, alors ainsi soit-il. Parce que tu marches dans les traces de ton maître. Jésus, il a été trahi par ses meilleurs amis. Il a été traité comme un coupable, tandis qu'il était reconnu comme innocent. Il a dû porter sa croix sur son dos déchiré, alors que lui était roi. En un instant, il aurait pu appeler des myriades de légions d'anges pour venir à ses côtés. Il aurait pu anéantir tout le monde qu'il maltraitait autour de lui. Mais il ne l'a pas fait. Par amour pour toi, par amour pour chacun d'entre nous, il a subi ces injustices-là. Puis maintenant, nous, en gardant les yeux fixés sur lui, on doit être prêt à vivre ces souffrances-là, à vivre ces injustices-là, sachant que c'est lui qui est notre force, que c'est lui qui est notre exemple à suivre, sachant qu'on doit perdre notre vie pour gagner la sienne. Puis ce qui suit dans notre passage, c'est selon moi un grand encouragement. Puis l'auteur le répète à 4 reprises dans l'Épître, c'est que Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Puis à quoi est-ce que c'est un encouragement? Parce que notre Sauveur, celui qui nous purifie de nos péchés, celui qui est maintenant un avocat qui intercède pour nous auprès du Père, celui qui veille sur notre course, il est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il est assis à sa droite. Donc si Jésus est la puissance de Dieu, croyez-moi, il a la puissance de nous garder. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Ce passage-là, il est tiré du psaume 110 où Dieu dit à son Messie, « Viens et assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est un psaume qui parle de la puissance de Dieu, de son jugement, de comment certain est chacune de ses paroles. Donc, il est digne de confiance. Si Jésus nous dit de persévérer, qu'il a triomphé du péché, qu'on peut trouver notre refuge en lui, qu'il va nous donner sa gloire quand la fin va arriver, on peut lui faire confiance. On peut savoir que ça va arriver. Et en plus, Dieu, en lui donnant la place à sa droite, il lui donne la meilleure place. Et le Père, en faisant ça, rend témoignage à la parole de son Fils. Pour dire encore plus, c'est certain, ça va arriver. Ce matin, je lisais 1 Pierre
au chapitre 1, versets 3 à 6, puis ça m'a vraiment encouragé, puis je veux vous lire parce que ça vient encore renforcer ce qu'on vient de lire. Il est écrit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, c'est important ça, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Frères et sœurs, notre dernier point, c'est la persévérance dans la joie. Puis on lit dans le verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Comme Paul nous en fait un clin d'œil dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On est appelé à nous réjouir au travers de toute la vie, du début à la fin, peu importe les épreuves qui se passent. Donc on est appelé à ne pas se décourager. Puis justement, on peut se réjouir parce que notre Sauveur est dans les cieux. Puis qu'avant d'être élevé, il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Au milieu des souffrances, on peut se réjouir parce que Jésus nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Mais on peut aussi nous réjouir en sachant que notre Sauveur, il connaît les souffrances et les douleurs qu'on vit à chaque jour. Par exemple, quand on vit un deuil, ça fait tellement du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui vit un deuil comme ce qu'on est en train de vivre, qui partage, qui sait la souffrance qu'on vit. De la même façon, quand on vit une épreuve, qu'on vit les conséquences d'un péché, ça fait tellement du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui connaît le même péché qu'on vit, les mêmes souffrances reliées à ça, pour se faire rappeler que le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir nous chercher puis nous sortir de là où on est. Puis de la même manière, l'auteur nous rappelle qu'on a un avocat, un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Il a vécu une vie d'homme, il a souffert à cause du péché, même plus que nous. Il n'est pas insensible à nos pleurs, il n'est pas insensible à nos douleurs. Mais il est attentif à chacun de ses enfants, puis il vient nous porter secours. C'est ce que nous rappelle Hébreux 12:3. Oui, on a des témoins pour nous pointer à Christ, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on a Christ en avant, qui sait exactement où on est, puis qui vient nous chercher. Perdons pas courage, l'âme découragée, mais persévérons dans la joie, sachant que notre secours nous vient du Créateur de la terre et des cieux. Puis faisons, comme le psalmiste au psaume 121, cette prière avec assurance. Il dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle.
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant jusqu'à jamais. Pour finir, frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler que Paul, à la fin de sa vie, il a écrit à Timothée, dans 2 Timothée 4:7, et il a dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » La vie ici sur terre, c'est vraiment une épreuve. C'est vraiment un combat qu'on doit mener. C'est pas facile. Mais gardons en tête qu'à la lumière de l'éternité, quand on va être aux cieux, quand on va être dans le règne de Christ avec lui, la vie sur terre semblera comme un simple sprint de 180 mètres. On doit garder ça en tête. Comme Paul le dit en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc si on revient à notre image de stade qu'on avait au début, regardons à Christ qui est devant nous, dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa beauté. Regardons en lui qui a la puissance de nous garder jusqu'à la fin. Et rejetons tout péché qui tente constamment de nous envelopper ou de nous retenir en arrière dans la course, puis courons de toutes nos forces. Puis quand on se sent fatigué, puis nos regards commencent à regarder ailleurs, mais regardons aux témoins qui, eux, nous repointent à nouveau vers Christ, qui est notre Sauveur. C'est lui qui a suscité la foi en nous. C'est lui qui a la force de l'amener à la perfection, à cause de son nom. C'est lui qui va nous donner la force de persévérer. Donc devant les épreuves, devant peu importe les choses qui se passent dans nos vies, gardez en tête cette image-là. La beauté de Jésus, comme j'ai décrit tantôt, c'est même pas comparable à Christ qu'on va voir. Il n'y a aucun mot qui peut le décrire. Pour qu'à la fin, pour la gloire de Dieu, on puisse dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Parce que Christ a triomphé du combat. Parce que Christ a achevé la course parfaitement. Parce que Christ a soutenu ma foi. Prions. Seigneur, c'est incroyable comment tu es bon, comment tu es beau, comment tu es majestueux, comment tu mérites toute la louange et l'adoration. C'est incroyable que tu nous appelles, nous, à porter témoignage de qui tu es. Nous, des simples hommes devant toi, Dieu Tout-Puissant. Père, tu nous dis dans ta parole qu'à la fin de la course, on va recevoir une couronne. Mais cette couronne-là, on ne va pas la garder. On va l'acheter à tes pieds parce que c'est toi le grand vainqueur. C'est toi qui mérites. Seigneur, la couronne, c'est toi qui nous a simplement portés jusqu'au bout. Alors oui, je t'en prie, reçois la gloire qui t'est due. Que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour toi. Que tu en sois glorifié pour toujours. Merci, Seigneur. Amen.